Alors, je vais faire des confitures d'abricots. Donc, ben, pour cela, j'ai 4 kg d'abricots. Et pour 4 kg d'abricots, eh bien, je vais mettre 3 kg de sucre blanc. C'est du sucre cristallisé blanc normal. Et je vais rajouter à ce sucre du Vitpris. Alors, le Vitpris, c'est en sachet. Donc, pour 4 kg, alors là, j'ai mis 2 sachets. Mais bon, c'est suivant la consistance de la confiture, je ne sais pas si je vais tout mettre. Alors après avoir lavé, dénoyauté et coupé en petits morceaux mes abricots, et bien maintenant je les porte à ébullition pendant quelques temps. En attendant que mes abricots portent à ébullition, et bien je vais mélanger le sucre blanc avec le Vitpris. Alors, je vais mélanger un sachet que je me verse dans un bol avec du sucre blanc. Je verse un peu comme ça. Voilà. Et donc, je vais remuer comme il faut. Voilà. Et je verserai dans ma confiture quand ça sera le moment. Alors, donc, les abricots, là, sont portés à ébullition. Donc, je verse mon sucre blanc tout en remuant. Alors là, pour 4 kg d'abricots, donc je mets 3 kg de sucre en poudre, de sucre cristallisé. Et ensuite, je verse mon mélange. Alors là, je reverse mon deuxième sachet de Vitpris que je vais mélanger avec un peu de sucre. Et je verse ce mélange dans ma confiture. Maintenant, je vais attendre que ma confiture porte à ébullition pendant quelques minutes. Donc maintenant que ma confiture est cuite, eh bien, je vais pouvoir la mettre dans les pots. Alors là, je regarde si la goutte s'arrête de tomber. Voilà, je vais pouvoir remplir mes pots.